Good morgen, allez, il ne sera aujourd'hui le Nishmat Richard Aaron Ben Fortuné Mazal, Claude Yitzhak Ben Fortuné Mazal, et Marie Myriam Bat Julie de Bet Berda et David Ben Rav Yitzhak. Si vous souhaitez aussi des une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes de faire d'elle. Nous étions à Serchet Yuma, Perek Aleph Mishnachet, Bechol Yom, Tormid et Amisbach, Bekriat, Gever, Osamochlo, Ben Elfanav, Ben Elacharav, Beyom Akipurim, Mechatzot, Obarigalim, Meashmura, Rishona, ולא הייתה קריאת הגבר מגעת עד שהייתה עזרה מלאה מישראל. On avance, on continue d'avancer à l'approche du grand jour de Kippour. On est déjà rentré dans la nuit, c'est-à-dire on a commencé avec les 7 jours qui précèdent Yom Kippour. Après on s'approchait de la veille de Kippour, le matin, comment le Kohen Gadol s'entraînait à faire la Ktoret, et puis après on le faisait jurer. Et dans l'après-midi, maintenant, qu'est-ce qu'il allait manger? Après, dans les Mishnah précédentes, on avait vu ce que la nuit qui précède, la nuit de Kippour, on est déjà rentré dans Kippour, alors qu'on entretenait le Kohen Gadol pour qu'il ne s'endorme pas. Là maintenant, on va commencer les préparatifs de la Avoda du jour de Kippour. À savoir, la première chose qu'on fait, c'est même pas encore le matin, c'est plutôt la fin de la nuit, comme ce qu'on va voir tout de suite, c'est on fait la Troumat à Misbeach. La Troumat à Deshen plus précisément. C'est-à-dire, il y avait, dans un jour classique, toute la journée, on a fait des corbanotes, on a brûlé de la viande, durant toute la nuit, on a brûlé de la viande, la chair des corbanotes, selon les graisses et tout ça, tout ce qu'il fallait pour chaque corban. Puis, au petit matin, alors, je vous explique, il va falloir faire de l'ordre, on va faire ce qu'on va faire la nouvelle maracha. Si vous lisez tous les matins le Abayé, Avam Seder Sedar Amaracha Mishma Digma de Abba Shaoul, c'est en Agave, c'est un texte extrait de la Gemara de Yoma Shenou, d'Aflamet Gimel. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser le bûcher maintenant pour la nouvelle journée. Les membres qui ont été consumés de la journée d'hier, on va maintenant, ce qui a été consumé, on va le sortir, ce qui n'a pas encore brûlé, on va le faire brûler sur le tapouar, on va finir de le faire brûler, mais d'abord, on va vider la place du bûcher complètement, soit en laissant des membres de côté, en faisant tout passer sur le tapouar, selon le cas, le tapouar c'était le centre du misber, et puis... Et donc toutes les cendres qui ont déjà été consumées, il fallait les sortir. Avant de sortir les cendres, il y avait une première chose à faire, c'était de prendre un premier prélèvement, peu importe la quantité, ça peut même être une petite quantité de l'équivalent d'un comets, d'une pincée des trois doigts, quoi. Au minimum, tu peux prendre une pelle, tu prends une première fois, tu descends avec ça à côté du misbéach, sur le misrach, à l'est, c'est-à-dire en direction de la porte, en direction de la sortie du Beth Amikdash, et bien là-bas, il y avait une place par terre qui c'était le Makom Adeshen. Il fallait jeter les cendres par terre, et là, il y avait un miracle qui se produisait tous les jours, c'est que ces cendres étaient englouties sur place, du sol. D'accord? Ça, c'était la Troumat Adeshen. Et on va en parler, en fait, dans cette Mishnah, et on va commencer le prochain chapitre avec ça. C'est la première Avoda qu'on fait, c'est le premier travail qu'on va faire avant de commencer. Après, ce qu'on va faire, on va commencer à vider le bûcher, et puis tout organiser pour pouvoir mettre des nouveaux bois. Ce qu'on va faire, c'est justement dans la Braïta qui rapporte Abayé. Il nous dit là-bas, que, enfin dans l'enseignement d'Abayé, il nous dit là-bas qu'on allait faire la Maracha Gdola, Maracha Ktana, Shalak Toret, et puis il y avait les Shnexiretzim, aussi deux bûches de bois qu'il fallait brûler le matin. Tout un truc, on aura l'occasion d'évoquer quelques petits points de ça plus tard, dans le Perek Bet. Et donc la Mishnah commence à me dire comme ça. Bechol yom tormin et tamisbar. Tous les jours, on était tormin et tamisbar. On faisait un prélèvement du misbar, donc des cendres du misbar. À quel moment exactement? Alors là, c'est assez souple, parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'attendre le petit matin, donc il faut le faire la nuit. La nuit, pas trop tôt, parce qu'on a encore des graisses à faire brûler du jour précédent, d'un côté. Mais ça dépend en fait de la quantité qu'il y a. Alors la Mishnah me dit, Bekriat hagever o samochlo. Kriat HaGever et deux interprétations dans la Gemara, est-ce que c'est lorsque le coq crie? C'est-à-dire, en fait, on est avant le jour, le coq il se met à crier depuis avant le crépuscule. Ou bien Samouchlo même à proximité, un peu après, un peu avant, n'est pas tellement makpid. Ben Nefanav, Ben Necharav, qu'il s'agisse d'un petit peu avant, d'un petit peu après, c'était le matin, c'était avant qu'arrive le lever du jour, on allait pouvoir faire le Korban Tamid auparavant, on se préparait déjà un petit bout de temps avant, en faisant ce prélèvement de la Troumat HaDeshen. Maintenant. Yom Beyom Akipurim Mechatzot. A Yom Kippour, il fallait le faire depuis Chatzot, la tombée de la nuit, la moitié de la nuit. Depuis la moitié de la nuit, on partait, commençait à faire prélever la Troumat HaDeshen pour ensuite organiser le bûcher.
Quel était l'intérêt? Alors j'ai un vrai problème à comprendre ça, parce que c'est tel que c'est rapporté ici dans le Bartonora, dans le Mefarshim, parce qu'en fait, à Yom Kippour, le seul Kohen qui travaille dans tout l'ensemble de la Hazara, c'est le Kohen Gadol. Et donc il a beaucoup de travail à faire. Pour le léger le travail, alors on va s'y prendre, on va commencer très très tôt, comme ça au premier instant du lever du jour, il va pouvoir commencer à s'occuper du Korban Tamid, ce qui est très important. Comme ça il pourra aller vite et passer vite aux avodot qui requièrent plus de... qui vont requérir beaucoup de temps. Maintenant, donc quel était l'intérêt de commencer depuis Khatsot? Alors, au sens simple, on comprendrait que c'est le Kohen Gadol lui-même qui doit faire la Trumata Deshen. Il y a un avis, je crois, qui pense comme ça, si je ne me trompe pas, il me semble que mon problème, il commence parce que j'ai vu qu'il y avait une marque de Rachid au Swat dans la Gemara il y a quelques temps, quand on étudiait Maseret Yoma en Daf Yomi, et on finit jeudi. C'est le Sium de Yoma, en Daf Yomi. En tout cas, il y avait un avis au Swat qui nous dit que la Trumata Deshen, elle était faite par le Kohenim. Donc du coup, j'ai un problème. Si c'est fait par n'importe quel Kohen, alors quelle était la nécessité de s'y prendre tellement tôt? Je ne sais pas. D'accord? Donc, Ben Elefanav, Ben Elacharav. Beyom Akipurim, on le faisait depuis Chatzot, depuis la tombée de la nuit. Ou Barigalim, attention, mais Ashmura Rishona. Durant les jours de fête, on faisait cette Trumata Deshen, pas depuis la moitié de la nuit, pas la fin de la nuit, pas la moitié de la nuit, même encore plus tôt. Depuis la fin de la Ashmura Rishona, de la première garde. En fait, c'est des gardes d'anges dans le ciel. La Gemara, dans Brachot, ce qu'on a déjà étudié une fois Brachot au début, la Gemara dit 3 Hashmurot, 4 Hashmurot, 3 Hashmurot, on va retenir la vie. Après 4 heures de la nuit, il y a un changement des rondes de Malachim responsables sur le monde. Et donc, on a la fin de la première Hashmura Rishona. Pour quelle raison? Pourquoi pendant les Regalim, durant les fêtes, on le faisait tellement tôt? La réponse, elle est que durant les fêtes, on apportait des milliers, des millions de korbanot. Donc il y avait énormément de Trumata Deshen, il fallait travailler. Bien sûr, tant que le jour ne s'est pas levé, tu ne peux pas commencer le Korban Tamid du matin. Sur ça, il n'y a même pas de question. Tamid du matin, ça commence que le matin. Mais il fallait pour préparer le terrain pour pouvoir vider toutes ces cendres. Durant les fêtes, étant donné qu'il y avait des milliers de Korbanotes qui venaient de tous les Juifs qui montaient à Jérusalem, du coup, il fallait se prendre très tôt pour pouvoir vider toutes les cendres qui avaient là-bas. D'accord? Et dans les fêtes, la Mishnah continue en nous racontant. Velo Haïta Kirata Gever Magat et le cri du coq, c'est-à-dire le coq qui commence à appeler le matin, n'arrivait pas à Chaita Azara Melam Israël, jusqu'à que la Azara, l'enceinte du Beth Amikdash, elle était déjà bondée du Ham Israël. C'est-à-dire, étant donné que c'était les fêtes maintenant, il y avait les gens qui montaient tous à Yerushalayim. L'occasion de partir voir le Beth Amikdash, de voir la Voda des Kohanim, ça fait entrer plein d'Irat Shamayim, c'est un spectacle merveilleux. Et la Mishnah me raconte, ben, depuis la Shmoa Rishona, la fin de la quatrième heure solaire, on commence à vider le Mizbeach. Et lorsqu'arrivait le moment de commencer à se préparer au Korban Tamid, parce qu'il y avait le coq qui criait déjà, donc on approche le petit matin, là, la Zara était déjà bondée de monde qui était venu voir pour voir comment les Kohanim allaient faire toute la voda du Beth Amikdash. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salah.